Il vous arrive par la droite, venant donc de l'héliport situé dans le nord des installations. From the north, from Eurocopter, the EC-665 Tiger in the HAP version. The aircraft is from the Franco-German Corporation and is flown for us today by Fabrice Bonne and Laurent Pazzi. During their display of the dynamics of this aircraft, the aircraft is a very maneuverable machine. You will see two particular maneuvers that have become the signature of the aircraft: a backwards somersault and a sideways flop, followed by a half loop pullout. And we're coming very soon to the first maneuver. Dans quelques instants, des manœuvres absolument extraordinaires réalisées par cet hélicoptère, qui est d'ailleurs le seul à les réaliser. Pourquoi peut-il réaliser ce type de figure? Tout simplement parce qu'il est équipé de commandes de vol électriques et de calculateurs qui lui permettent d'effectuer ce genre de manœuvre. Bon, on y associe bien sûr un rotor rigide et tous ces composants aérodynamiques modernes qui permettent donc d'avoir devant nous la plus sophistiquée des machines construites à l'heure actuelle par hélicoptère, par Eurocopter. The Tiger is powered by two MTR 390 engines. MTR is a turbomeca MTU Rolls-Royce consortium, and each of these engines develops 1,800 horsepower. The machine has a maximum cruise speed of 148 knots, maximum operating speed 167 knots. 206 of these machines have been ordered by France, Germany, Australia, and Spain. Alors maintenant, on va suivre attentivement les évolutions du Tigre. On n'a pas parlé encore des missions qui étaient celles de cet hélicoptère, parce qu'il répond quand même à un cahier des charges de l'armée de terre française auquel s'est joint plusieurs forces armées comme la force aérienne, la force terrestre allemande, la Bundeswehr, qui était intéressée par un hélicoptère de combat. Alors regardez attentivement le Tigre, qui va rester en stationnaire quelques instants au-dessus de nos têtes. Et on va regarder ce saut arrière réalisé par Fabrice Bonne en place avant du Tigre aujourd'hui. Il se positionne face au vent. Attention. D'hélicoptères présents ici sur le salon comprendront qu'il est hors de question d'essayer de faire la même chose avec le leur. Ceci donc est réservé à cet hélicoptère de combat franco-allemand, le Tigre d'Eurocopter, qui est motorisé par deux turbines MTR de 1774 chevaux, des MTR 390. Combien ça pèse un engin comme ça? Ça pèse à peu près 4 tonnes, mais ça peut emporter jusqu'à 2 tonnes de charge marchande, des missiles au nombre de 4 ou de 8 selon le type utilisé. Et on regarde cette nouvelle manœuvre attentivement, on se repositionne de la même manière. The second move, camera ready. C'est parti. Tiger is a tandem seat combat helicopter with day and night capabilities and is designed for armed reconnaissance, escort, air-to-air combat, ground firing support and anti-tank warfare. It's fitted with a single 30mm GIAT gun and can carry two rocket pods or four air-to-air missiles or eight anti-tank missiles.